Moi, j'ai longtemps défendu silence et moi décidé d'être bail radio puisque à primeur. Moi bien regrette nous pral parler d'un débat, nous trouver qui sont débat d'arrière-garde. Et moi-même, moi pas dans positionnement, moi dans fonctionnement. Pour m'expliquer ça, me dire, pas pour aller prendre position pour 2021 ou bien pour 2022. Moi t'as rien mais chita sous fonctionnement pays. M'pensais en vent tomber dans rivalité nous plus folle. Ça, en nous garder le côté de la responsabilité. Alors je dis à Jean, moi question, moi que Gondap pour opposition, bon date pour pouvoir, mais pas aucune date pour peuple. Et tous les deux, pas qu'un moyen politique. Ces pays à cap nan plus bouillaille, l'aime parler de fonctionnement, faut regarder le système fonctionnement pays à, pour nous pas toujours après envoyer problème pour plus tard. Parce que débat qui posé là, les gon racines, comme yo dit, l'orgue on la fièvre, pour traiter la fièvre là, pour qu'on cause la fièvre là, c'est une infection pour nous. Infection, c'est constitution. Alors je dis, que nous prenons 2021 puis il y a un problème pire que nous chita sur 2022 dans problème pire parce que n'a pas les donc question de mettre nous d'accord sur temps constitutionnel avec temps électoral. Si je dis à nous t'a dit que président Jovenel Mandal finit en 2021, eh bien 2021 arrivé, il met un gouvernement transition. Si nous réussissons ça fait 2 ans, fait 3 ans, eh bien l'autre président quoi lui ni quoi l'élu à combien de temps quoi le faire, il va le faire restant critère pour aller toujours gagner même problème là. Supposons nous dit 2022 arrivé, moun pa fait élection, yo di pa pral nan élection à président Jovenel, li rive la quitter pouvoir, nous pral tomber dans transition quand même qui fait jodi a moins quoi que nous non crise c'est pour élite pays, élite politique là, pour nous suspendre faire rivalité, en nous chercher responsabilité, nous poser problème yo à la base, chita entre nous, nous toutes gen raison, nous toutes gen belle argumentation, mais c'est pas argumentation pas nous moins de manière isolée qui ca résout problème là, faut nous chercher harmonie cap bon pour pays à cap côté stabilité cap mener nous dans vivre ensemble qui considération sous analyse constitutionnaliste Mirland Hippolyte Maniga fait pour le montrer mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2021 sous base à 134.2 constitution amendée à décret électoral 2015 là. Moi entendez ça madame Maniga dit moi respecter lui moi entendez ça l'autre monde dit tout et puis moi respecter lui mais pas oublier que dans notre madame Maniga dans bel article bel argumentaire lui il dit pour la raison et pour la loi moi choisi pour la raison c'est pour nous tous. La raison, c'est pour ni monde cap soutenir position 2021, ni monde cap soutenir position 2022. Faut nous reconnaître, nous pas gain moyen politique, nous. Dans la démocratie, c'est pas dans la confrontation, monde qui te parlait. Dans la démocratie, monde qui te parlait, suivant protocole qui préétabli par constitution, etc., sont belles fêtes liées. J'en parle à la bralie, là, c'est comme si c'est dans confrontation, nous. Si président Jovenel lui-même dit la priorité sous pouvoir 2022, sans pas gain harmonisation, n'en laisser frapper, si pas petit pays, hein, les lap quitter pouvoir pas bien moun pour le passer pouvoir démocratiquement. Si sorti nan problème tombé non l'autre. Alors mais ça que me dit pas prendre position, moi lancer yon appel et là m'a prend le mot de madame Maniga, m'a lancé son appel à la raison. Appel à la raison ni bon côté moun qui pour 2021, ni bon côté moun qui pour 2022, en nous chita ensemble pour nous tracer route vivre ensemble là parce que là gon problème de règle jouette là, qui fait, nous vins sembler moun, qui pas qu'à compter, arriver sous 6. Habillé, nous t'es gon problème, sénateur, 2 ans, sénateur, 4 ans, sénateur, 6 ans, qu'on a un gon problème. Est-ce que le président doit faire 4 ans, si vous faites 5 ans? Alors, si, moi, on met tout en position peuple, là, dit, bon, moun qui voulait diriger pays, soit dans opposition, bien que dans le pouvoir, y a un gros problème, y a un gros lacune. On t'a capable même dire son bagage enfantin, pas même mettre son terrain académique, non? Son bagage enfantin, nous pas qu'à compter les soucis, nous pas qu'à entendre nos soucis, non? Nous pas qu'à entendre nos sous durée mandat sénateur, nous pas qu'à entendre nos sous durée mandat président. Comment vous nous faites pour payer à marcher? Alors, moi-même, moi, dans ces appels, ça, qui sont appels à la raison, au lieu que me prendre position pour 2021, pour 2022, pour nous joindre une entente raisonnable pour nous mettre la paix, pour nous mettre stabilité, pour nous mettre concorde, pour nous créer une véritable ambiance, alternance, démocratique. Selon vous-même, qui argument président Jovenel Moïse gagne en mêle pour le défendre projet 2022? Je ne vais pas entrer dans la considération ça, ni pour personne, ni pour président Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse gagne mon cap travail avec lui comme conseiller, lui-même tout le défendre tête, lui-même.
son un avocat pays mais avocat peuple haïtien vraiment ouais débat ça pas bon pour pays nous pas qu'à entrer non chiré pit nous avons tellement de problèmes pour nous faire face à eux même là nous avons covid 19 qui fait ravage nous avons conséquences covid 19 là nous avons une saison cyclonique nous avons bon problèmes violence gang l'autre jour dans civière la Tibonite gang a bouma gang des moun yo prend yo pour y racher la guerre dans fleuve Tibonite là nous pensons que question ça aussi des questions fondamentales côté n'a parlé là gen moun ki nan prison juge en grève bon bande tête âgée koun ya l'on moun malade pour aller à l'hôpital pas l'hôpital qui veut recevoir depuis suspect ou gen covid 19 nous gen tellement de problèmes fondamentaux pour nous adresser et là nous créer l'autre problème politique mettez sous lit nous finissons sorti déjà dans pays bloc on a dans covid 19 m'pa quoi pays a capable supporter un autre un cyclone politique encore c'est pour n'oublier orgueil nous pour tout le monde conscient que nous avons morceau responsabilité dans problème là et nous capable côté camper dans chemin vivre ensemble là dans chemin l'union fait la force là vous parlez dans l'autre cyclone politique vous dites il y a pas qu'à supporter selon vous même est-ce que nous sur route pour nous connaître, il y a l'autre gros crise politique qui est capable de grave au pays. Mais débat, c'est ça l'annoncer. Débat annoncé, on laisse frapper. On laisse frapper, il commence, il y a une phase théorique. Automatiquement, il dépasse une phase théorique. Là, il prend pour une phase pratique. Il prend, on laisse frapper dans la rue, qui est pas le victime. Malheureusement, pas le victime. Monde qui va le perdre, des machines, qui va le perdre, des business. Non, pas besoin de ça. Nous, disons pas dans la dictature encore. Question pouvoir, pas qu'à régler dans la violence. Faut nous résoudre le problème, là. À la base, là, c'est constitution. Et maintenant, attendez, deux gros intellectuel pays. Il y a deux professeurs de l'université qui t'a fait un débat. Il y a chaque proposition différente. Je suis capable de dire que c'est mon public, c'est Madame Maniga et le professeur Ricardo Augustin. Deux mondes savent, deux mondes qui apprennent le pays en pile service, deux mondes pays à respecter. Pendant qu'ils étaient différents en position, ça, et puis moi, j'ai un concorde entre eux. Véritable concorde là. Tout l'air de reconnaître le pays a besoin de nouvelle constitution. Eh bien, Anchit a parlé de ça. Anchit a parlé de règles jouettes là. On a toujours une discussion. Qui le mandat sénateur fini, qui le mandat député fini, qui nous pas résoudre le problème dans la base. Je dis à le poser, eh bien, il faut le poser encore devant. Comme 2021. Supposons président Jovenel allait 2021. Bon président élu qui pourrait le remplacer. Eh bien, moun yo pourrait le mettre, il pourrait le souci dans l'élection qui a fait après transition. Tant de parler d'un projet transition 3 ans. Si on fait un projet transition 3 ans, si nous toujours été dans la même situation, il faut harmoniser temps électoral avec temps constitution. Eh bien, président pourrait l'élu après transition 3 ans. Ça fait 2 ans. Eh bien, sourire en 2022. C'est même pareil. Comme l'élection était supposée faite en 2020, eh bien, président qui pourrait le sortir après président Jovenel Talil, pas qu'il ton président élu. On l'a transition qui fait 1 an, il fait 2 ans. Le président qui pourrait le sortir, l'a fait 1 an parce que nous pourrions harmoniser temps constitutionnel avec temps électoral. Nous ne pouvons jamais finir, nous toujours quitté le pays à nous, l'eau belle instabilité. Ça fait moins pas prendre position, moins lancer un appel. Tout le monde a un argument et tout argument a un fondement. Yo, mais ça qui est important, c'est pour nous voir qui côté intérêt pays a. Bon, d'abord, intérêt pays a et Premier ministre Evans Paul, Ishita a respecté la constitution en vigueur et la loi. Maintenant, oui, si le président allait 7 février 2021, on prend encore un problème. Mais c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut poser le problème de la réforme constitutionnelle. Et quoi, proposition sous table là déjà. Proposition sous table. Moi, il y a une sorte de roulet pour joindre une nouvelle charte fondamentale. Donc, on ne va pas poser problème là. Dans le terme ça, comme si depuis qu'on y a là, et ou bien transition, ou obligé de le faire, même bagaille, à savoir, pour harmoniser le temps constitutionnel avec le temps électoral, ou obligé de faire même type de élection et qui va le faire que grand monde cap monter et cap manquer dans mandat. Bon, à la limite, même si ça t'a fait dans la mesure où monde qui monte et mécanisme qui a mis en place contraint nous faire élection là pour le faire et bien nous t'a capable sortir dans brigandage ça. Parce que c'est ça qui arrive dans constitution amendée. C'est que, d'une part, n'a pas fait élection, les pour faire,
Et d'autre part, il va faire élection, j'en peux le faire. Parce que c'est de l'heure, il faut faire élection là pour faire. Et il faut faire élection, j'en peux faire. Pour ne pas avoir lieu à un paquet de lobby, un paquet de crise. Donc c'est deux bagages. Il faut faire élection là pour faire. Et il faut faire j'en peux faire. Or le problème, c'est que nous n'avons pas fait élection là pour faire. Il va faire j'en peux faire. Donc à partir de ce moment, quand on parle de réforme constitutionnelle, mais qui garantit nous que l'on fait notre constitution, que nous avons le pouvoir de faire élection là pour faire, pour harmoniser le temps constitutionnel au temps électoral, avec le temps électoral. Donc c'est le même problème. Donc c'est pas. Et puis maintenant, le problème de la réforme constitutionnelle, et une certaine hypocrisie dans le fait que c'est Kounia, il a posé. Parce que Jean Abdoula là, t'es un amendement constitutionnel qui t'a préparé dans le Parlement, n'a pas passé à pied en sous lui. Il n'a pas fait élection pour te faire, les pour te faire. Comme il était. Mais maintenant, l'autre jour là, pas de personne qui t'est monté au créneau, tant que Madame Lalim ou bien tant que Monsieur Paul, pour te dire que nécessité d'un compromis, là, t'as voué. Député allé, là, t'as voué, sénateur allé. Faut faire attention. Et c'est le même problème qui t'est posé pour moi et qui a posé vos diables pour le mandat présidentiel. Maintenant, lors d'une réforme constitutionnelle, qui va faire là? On va faire pendant le président là et puis il est élu sous bannière constitution 1987 là? À partir de ce moment, qui vont poser problème légitimité ou même légalité? Vous ne comprenez pas ça, simple, pas simple du tout. Et tout problème ça, pour poser vraiment et pour venir de sérieuses solutions, je regrette ça. Mais c'est notre transition capable de poser. Et qu'on est capable de résoudre. Parce que, ou bien, un président qui est élu sous bannière en constitution, qui lui-même clairement défini les calendriers. Donc, c'est pour une question d'interprétation, c'est pour une question de confusion, d'ambiguïté, non? Comme je voulais faire mal à passer là. C'est pas ça lié. C'est une question de mettre la Constitution en application. Et pas seulement la Constitution, non? La loi électorale! La loi électorale! Mais on est en train de se faire oublier ça. Alors, qu'on y a la même loi électorale, la même Constitution, vous et sénateur, allez, il va faire 6 ans. Même loi électorale, la même constitution, voyez des députés aller, on va faire 4 ans. Et puis, on dit, ah, monsieur, pensez au pays, et que le pays a déchiré, le pays a ceci, nous avons Covid, nous avons ceci, nous avons cela. Mais ça, ils sont toujours là. Et ils sont là, pire, donc il y a une pire, donc tout le temps, on va régler les problèmes politiques et les problèmes institutionnels. Donc ça, madame pour ça, il n'y a pas aidé. Pendant que les nègres ont une nécessité pour un dialogue, pour une concertation, mais en même temps, il y a essayé de fouiller droit dans le jeu. Il y a essayé de fouiller droit dans le jeu. Et c'est même pas là, nous, et nous, notre ça qui sortit là, qui osait dit que la constitution est ambiguë et qui osait dire qu'il y a nécessité pour une réforme constitutionnelle, et bon, même si nous sommes des Nations Unies, mais les Nations Unies, pendant tout le temps présent en Haïti, ils accompagnent nous et sous base loi par nous, sous base constitution par nous. Si il y a une nécessité d'un dialogue, il doit toujours dire. Mais qu'on y a là, pour une position clairement contre la Constitution, parce que la Constitution lui menace ses mandats, il y a un que, évidemment, manifestement, il a supporté,
envers et contre tout, et ça vraiment, c'est nous prendre pour des canards sauvages.